négatif, Mario. Le premier contact d'aujourd'hui, un étoile, ça se fait à 55 la passe de la tête, ça la passe de la tête, ça la passe de la tête, 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 la passe de la propagation n'a pas été vraiment bonne. Aujourd'hui, on a 38, hein, on a 38 de tâches solaires, hein, donc très très faible, très très faible. Ça dégringole, hein, et bien entendu, je suis surpris de voir les spots avec 38 de tâches solaires. Vous arrivez à accrocher la Calédonie, c'est vraiment, vraiment incroyable. Hein. S'il y avait des tâches solaires à 90, 100, 110, hein, je sais que c'est possible, mais avec 38 de tâches solaires, comment est-il possible de pouvoir faire un contact avec la Calédonie, copie Mario? Ça m'a mis sur toutes les fréquences. Je l'ai salué pas mal et je te dis que je l'ai écouté pas mal. Et je ne l'ai pas trop salué, je pouvais mettre partout à la fois. Parce que quand je m'en ai appelé, je l'entendais un bon jeu, j'appelais, on pas fini. Et après, je me suis dit avant de rappeler, je l'entendais d'autres fréquences. C'était formidable, formidable pour moi. Et je suis content parce que j'ai fait très longtemps comme ça, je ne l'avais pas compris, mais j'ai fait pour m'envoyer. La septième station porte le 1439 et la 1739, la visible, que je n'ai pas à confirmation. Je n'ai pas le terme. Copie, copie, Mario, j'ai reçu la QSL de Jim, j'ai reçu la QSL de 17 Jim, donc sur Hawaï, qui m'a confirmé, et j'ai reçu aussi la QSL de 17 Sugar Delta 369 son, qui m'a répondu par Tito sur donc le centre de l'Amérique, et bien entendu, j'ai reçu la 96 Christian il y a maintenant 4 jours en arrière. J'ai reçu donc la division 96 Mario, et j'attends pour le moment la division 99 Delta America qui avait été fait en début de l'année 2014, hein. Et il y a eu des problèmes avec le printer. Il a fait des adresses mauvaises avec le printer. Et j'ai eu contact dernièrement avec Roy. Il m'a dit qu'il avait reçu la QSL de 99. Donc on va voir la semaine prochaine si la QSL arrive dans la boîte postale. Micro de retour. Je n'ai pas trouvé la ferme, on l'a dit. Et j'ai pas pu faire, parce qu'il y a une semaine, il y avait la salle, c'était 4 pour moi. Et j'ai pas pu la ferme, moi. J'avais des accidents, je veux pas, dans le bas de Tony Park. Il paraît que les tombées d'Orléans réactivent.
plus de 900 mm dans, je ne sais pas, une année, on ne sait pas comment. Et ce n'est pas les OM, ou les Irakiens, ou les maisons, pour la troisième fois inondée. C'est quand même la catastrophe. En pensée avec moi, le bilan. Allez, ok, Mario, je comprends, hein. Impossible de régler le WX, hein. Impossible de régler le WX, hein. Le temps qu'on a eu, là, que je te disais, des températures à 30-32 pendant 7 semaines, ça faisait 50 ans sur la Finlande qu'on n'avait pas eu ce temps-là. Donc tu vois un petit comment c'est, on ne peut jamais savoir comment le temps va être. Simplement, on s'aperçoit comment il est le jour quand on ouvre la porte de la maison et qu'on regarde dehors. Je te laisse continuer, Mario, 73-51, les bonnes amitiés, et toujours au plaisir de se retrouver. 14 América Tokyo, 046, 56 kilos, papa, sur un pierre en QRT. Bye bye. Les 73 du Sud-Ouest de France. Break la Finlande pour le Sud-Ouest de France. Je crois qu'il a été venu chez Renato, je crois bien, je crois.
Dominique, si tu veux l'entendre, tu peux l'entendre sur le 605. Renato, pour la bonne raison qu'il a fait comme pas mal de certains de ceux qui étaient là sur la fréquence, Renato, il est parti dans un autre monde. Voilà, et puis il y avait aussi, il y en avait un qu'il ne faut pas oublier, parce que lui aussi, il était quand même assez souvent sur la fréquence, c'était Jean-Yves, la vache fiole, à ses retours qui sortent, puis tu fais tourner après un peu. Oui, mais moi, je ne savais pas que... Yeah.
Ah, c'est pas un robot, là.